je me suis vite rendu compte que mon intérêt pour les tatouages ne devait pas être centré sur le résultat, mais en fait beaucoup plus sur le processus de création et puis surtout l'échange qui se passe avec le tatouage. Alors maintenant, je vais me faire tatouer chez quelqu'un qui s'appelle Sinchi. Et puis, ce qui me plaît beaucoup justement, c'est qu'on a réussi à développer cette relation de confiance tous les deux, à tel point qu'on a des activités aussi ensemble à l'extérieur du tatouage. Et c'est vraiment ces moments-là qui sont importants pour moi, plus que le résultat. Ce que j'ai découvert moi avec le Jiseido, c'est une façon de travailler sur son corps. Et travailler surtout sur le ressenti, donc c'est vraiment ce qu'on appelle un art interne. Comment est-ce que l'attention se développe dans le combat, comment est-ce qu'on perçoit l'intérieur de son corps, l'extérieur de son corps, et tout ça dans du mouvement. Donc c'est pour moi un art complet. J'ai ressenti à un moment donné le besoin de développer une technique qui me permettrait de soigner les gens, et surtout d'avoir une technique qui pouvait être transportée partout, que j'aurais plutôt avec moi. Et le shiatsu s'est présenté à moi comme la meilleure façon de faire du bien aux gens.